Alors, mettez-vous dans une position confortable. Mais veillez à ne pas vous endormir dans cette position confortable. Aérez, s'étire vers le haut, le menton rentre vers l'intérieur. Poitrine se ferme délicatement, tout le corps se détend. Fermez les yeux. Et revenez à l'intérieur. On revient à l'intérieur. Si la conscience ne se pose nulle part, on peut facilement faire l'expérience du corps physique. La sensation du corps physique, c'est le chi du corps. Toutes les sensations que vous pouvez avoir dans les jambes, les bras, les mains, c'est le chi des jambes, des bras, des mains. Ressentir le chi du dos, chi de l'abdomen, de la poitrine. C'est à chaque fois des qualités de chi particulières, des qualités de sensation particulières. La sensation, c'est le chi. Rien n'est seulement physique parce que tout est composé de vide et d'énergie. Et ce vide et cette énergie, en chinois, on l'appelle le qi. Donc, quand on ressent la tête, le cou, c'est le qi de la tête et du cou. Quand on ressent l'ensemble du corps, c'est le qi du corps. C'est l'espace et l'énergie, les sensations du corps. Il n'y a rien de particulièrement mystérieux là-dedans. C'est une expérience très directe. On ressent le corps et cette sensation, c'est l'énergie du corps. On peut ressentir la profondeur du corps. Ce n'est pas simplement corps physique, il est plus spacieux et plus profond que ça. Et progressivement, cet état d'esprit de vouloir rentrer dans le corps, de ressentir l'espace et l'énergie interne, détend le corps qui se vide progressivement. Devient plus souple, plus malléable. On peut prendre conscience à l'intérieur de la tête. Et ce que l'on peut ressentir, c'est que le chi devient de plus en plus fin. Les sensations, les perceptions deviennent de plus en plus fines. Toujours le chi du corps, mais perçu avec plus de sensibilité, plus de cœur, plus de clarté. À l'intérieur de la tête, tout devient vide, plus clair. L'intérieur de la tête se relâche. Se détend profondément. Dans un léger sourire intérieur, tout se détend et devient plus doux à l'intérieur.
plus tendre, plus confortable. La conscience peut se reposer à l'intérieur de la tête, peut se détendre à l'intérieur. La pensée progressivement s'éteint. Tout devient calme, silencieux. Ouvert. Tête devient de plus en plus profonde, spacieuse, volumineuse. Nous sommes en train de prendre la grosse tête. Souriez, détendez-vous, tout ça n'est pas sérieux. Souriez aux yeux, se change en chi. Très profondément, les yeux se détendent. Les oreilles s'ouvrent dans le champ de chi. Le nez. Change en chi et sous la bouche, les gencives, les dents et la langue se change en chi. Quoi que vous sentiez, c'est déjà le chi. Quoi que vous perceviez, c'est déjà le chi. Quoi que vous écoutiez, c'est déjà du chi. Quoi que vous pensiez, vous pensez, c'est déjà du chi. Quelles que soient les émotions, c'est du chi. Tout n'est que du chi. Nous sommes que chi. Que du chi. Le cou et la gorge. Se change en chi. C'est en fait juste notre cadre de référence qui s'assouplit et qui devient plus perméable, s'ouvre, notre état d'esprit s'ouvre pour percevoir le chi qui a toujours été là. Rien ne se change en chi, ce n'est que notre cadre de pensée qui se transforme. Nous nous percevons différemment, nous nous ouvrons à une réalité plus profonde qui a toujours été là et qui ne cesse jamais d'être. Les épaules se relâchent, changent de chi, les coudes, les poignets, les mains et les doigts se relâchent et révèlent la réalité de chi. Le tantien médian, se détend et se relâche
Quoi que vous sentiez, c'est le chi. Quoi que vous pensiez, c'est le chi. Tout est chi. Tout se vit dans le tantien médian. Le haut du dos, les omoplates révèlent leur nature de chi. Sous la poitrine, les seins révèlent leur nature de chi. À l'intérieur de la poitrine, le tantien médian. Et se détend profondément, révèle sa nature de chi. Le poumon se détend, s'ouvre le cœur, se détend, gardez ce joli cœur de bébé à l'intérieur. Écoutez ce joli cœur de bébé. Ressentez ce cœur de bébé. Le pur cœur du bébé. Une conscience vive, ouverte et heureuse, complètement disponible, complètement présent. Dans le tantien médian, dans le tantien inférieur, le foie se relâche et s'ouvre. La vésicule biliaire se relâche et s'ouvre. Se vide. Le pancréas se relâche et s'ouvre. L'estomac se relâche et s'ouvre. Les intestins se relâchent et s'ouvrent. La rate. La rate se relâche. Les reins, pleins d'un chi abondant, se relâchent et s'ouvrent. Jusque dans le chi de l'univers, les reins, vide et ouvert, puissant. Tout circule très bien. Les intestins se relâchent. La vessie. Se détend. Système reproducteur,
les organes sexuels. Le bassin, sacro-iliaque se vide, les hanches se vident, les cuisses, les genoux, vide, les mollets, vide, les chevilles et les pieds. Prenez conscience de tout le corps de Chi, ce qui comprend le Chi du corps physique, le Chi vide, spacieux, volumineux, qui est bien plus large et profond que le corps physique et ses sensations. La sensation d'espace. Tout le corps est un même espace. Les plantes de pied se relâchent. Dans le chi de la terre, la sensation de la terre sous vos pieds, sous votre corps, c'est le chi de la terre. Il n'y a rien d'autre. C'est juste que c'est ça le chi. Et ce chi se révèle vide et profond, ouvert, très profondément vers le bas, tout est vide. Ah et ouais, s'étire vers le haut, se relâche, la porte du ciel se relâche. La sensation du ciel au-dessus. La sensation du ciel tout autour du corps, toute la sensation que nous avons autour du corps, c'est le ciel. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ce n'est pas juste l'espace de notre maison. C'est forcément le ciel qui est rentré par les fenêtres, par la porte, qui n'a jamais pu être limité par rien. Nous sommes toujours dans le ciel. C'est toujours le ciel bleu autour de nous, pur et transparent. Tout est toujours vide autour de nous. Et nous avons la place pour nous détendre et profondément relâcher toutes les tensions de la conscience, du corps, du cœur, des poumons, du foie, pancréas, l'estomac. La rate, les reins, les intestins, la vessie et du système reproducteur. Toutes les tensions se relâchent dans le ciel bleu tout autour de nous. Autour de nous, le chi est transparent et pur. On ne le remarque même pas. Ce chi nous enveloppe et nous entoure en permanence. Nous sommes en permanence dans le câlin du ciel, qui nous enveloppe et nous entoure, nous embrasse et prend soin de nous en permanence. La peau s'ouvre. Les muscles, les tendons, les ligaments s'ouvrent.
Imaginez le ciel bleu au loin. Imaginez l'univers loin dans l'univers. Ce n'est pas le monde qui change, c'est notre conscience qui change, qui perçoit le monde différemment. Ce n'est que nos idées sur le monde qui changent, rien d'autre. Nous n'avons rien changé d'autre que notre conscience depuis le début de cette séance. Le corps, lui, n'a jamais changé. Mais notre conscience, en changeant son rapport au corps, permet au corps de se libérer de l'entrave de nos pensées, de nos concepts. Dans l'univers lointain, c'est nos idées, nos schémas de pensée qui s'ouvrent à tellement plus grand, tellement plus vaste, tellement plus pur. Nous nous mettons sur la même longueur d'onde que l'univers et laissons de côté nos croyances limitantes. C'est ça qui change, rien d'autre. C'est toujours notre conscience que nous pratiquons. Tout notre grand champ de chi s'ouvre avec le professeur Wei, le professeur Pang, tous les bienfaiteurs de l'humanité, depuis l'aube des temps jusqu'à la fin des temps. Tous ces gens ont une influence déterminante sur des millions de personnes. Ces bons cœurs, ces bons états d'esprit, toutes ces belles personnes, ces belles consciences, ces belles informations et ce bel amour se mêlent à tous les êtres d'amour, de tendresse, de lumière, de douceur. Et ce n'est pas à l'extérieur de nous, c'est juste nos pensées qui changent. C'est juste notre cœur qui s'ouvre et se met en lien avec tous ces beaux êtres. Avec tous les enfants. Avec tous les bébés. Tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Bienvenue. Nous les accueillons dans le champ de conscience humaine. Avec tous les parents heureux de les avoir reçus. À tous ceux qui s'en vont aujourd'hui. Ce n'est vraiment qu'un au revoir. C'est tout le champ de conscience humaine qui les sait. Nous sommes l'humanité. Ce que vous pensez, ce n'est pas vous. C'est des mots dans la conscience humaine. Dans le grand internet de la conscience humaine, nous ne sommes qu'un petit moteur de recherche qui a conscience de lui-même. Et c'est merveilleux de pouvoir être un humain. On s'ouvre dans l'univers. Prenez conscience de la partie de vous qui observe tout ça, qui perçoit l'univers, qui écoute vos pensées,
qui ressent ces sensations? Il y a une fonction en nous, une partie de nous qui reçoit, écoute, ressent, regarde, entend, qui reçoit toutes ces informations des organes des sens et qui n'est pas des organes des sens. Qui reçoit toutes les informations de la pensée, mais cette fonction de nous n'est pas la pensée. Elle ne fait que recevoir, observer. C'est une fonction de nous, un aspect de nous qui est toujours présent, toujours dans le présent et toujours présent à l'intérieur. Nous n'arrêtons jamais d'être conscients de tout ce qui se passe, plus ou moins. Nous en sommes toujours conscients. Cette fonction de nous, c'est notre cœur pur de bébé, qui se lie à tous les cœurs purs de bébé, pour donner un grand champ de cœur pur de bébé. Et ça, c'est un champ très beau, très bon, très bien. Avec tous les êtres d'amour, compassion, de douceur et de tendresse, avec tous les êtres que nous aimons. Laissez votre cœur les dénombrer. Ne demandez pas ça à votre tête. Tous les êtres que nous aimons, depuis que nous sommes bébés, tous les êtres que nous aimons et avons aimés, notre cœur les connaît par cœur. Notre tête ne sait pas, mais notre cœur sait. Faites confiance à votre cœur. Le cœur s'agrandit d'aimer, s'ouvre et s'ouvre dans l'univers, s'agrandit. Ça grandit. Tout ça, ce n'est que du chi. Ça peut être immense comme ça peut être tout petit. C'est pareil pour le chi. Tout ça, c'est vie. C'est juste ce qu'on veut en imaginer. Ce n'est que votre conscience et notre conscience, notre champ de conscience. Décidons de tout ce que nous percevons à cet instant. Tout est adaptable et modulable. Tout se transforme et très souple. Nous sommes complètement libres d'imaginer tout ce que nous voulons. Il n'y a que des pensées pour nous limiter, que des concepts et des idées. Ce n'est pas grand-chose. Dans notre grand champ de conscience et d'amour. Il s'ouvre avec tous les êtres qui consciemment utilisent l'univers. Avec tous les cœurs et tous les esprits prêts à s'ouvrir tout autour de vous, dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos pays, tous les cœurs prêts à s'ouvrir, tous les esprits prêts à s'ouvrir reçoivent nos informations et s'unissent au champ de conscience et d'amour. C'est ensemble que nous œuvrons, c'est ensemble que nous aimons. Nous sommes l'humanité ensemble.
avec toute la nature, les arbres, les montagnes, le ciel, la terre qui sent si bon, qui est si douce, les rochers si durs, si puissants, les arbres qui s'élèvent vers le ciel et s'enfoncent dans la terre. Du haut du ciel, le soleil brille toujours. Et nourrit la vie de chaque plante, de chaque insecte. Toutes les plantes s'élèvent vers le ciel. Tous les arbres s'élèvent vers le ciel. Tout respire le ciel. Tout se nourrit de la terre. Et ce n'est pas juste à l'extérieur de nous. Nous sommes la terre. Nous sommes le ciel. Nous sommes les plantes, les arbres. Nous sommes le soleil. Nous sommes l'espace de l'univers. Nous sommes la vie. Qu'est-ce que la vie en vous veut vraiment? Laissez-la s'exprimer à travers vous. Reposez-vous la question et laissez le silence et la vie vous répondre. Qu'est-ce que la vie? L'intérieur. Prenez conscience de la partie de vous qui reçoit ces informations. Qui observe tout ce qui se passe. Rien de ce que nous vivons n'est neutre. Nous observons tout ce que nous vivons. Nous le créons. Nous le fabriquons inconsciemment. Tout se passe dans notre conscience, dans notre esprit. Ce n'est pas un concept. Ma voix n'apparaît que parce que vous êtes conscient. Si vous n'étiez pas conscient de ma voix, elle ne serait pas. Et moi, je suis conscient de ma voix aussi. Alors, je la maintiens vivante. Je n'ai pas besoin de vous pour ça. Mais pour vous, si vous n'étiez pas conscient de ma voix, alors elle ne serait pas. Peu importe à quel point je parlerai fort, peu importe à quel point notre cœur nous dit la vérité, si nous ne l'écoutons pas, nous n'en avons pas conscience. Ce n'est pas là. Peu importe à quel point l'univers est vaste et pur, le chi abondant, toujours nourricier, si nous ne nous connectons pas au chi,
ne sommes pas nourris autant que nous le pourrions. Nous sommes quand même nourris un peu, mais beaucoup moins si nous prenons conscience qu'il est là. Tout est dans notre conscience. Les idées que vous avez, c'est bien vous qui les créez, qui les entretenez et les nourrissez, vous qui y répondez, parce que vous en êtes conscient. Et il y a beaucoup d'idées dont nous ne sommes pas conscients. Tout est dans notre conscience en ce moment. Toute l'expérience que nous faisons, la manière dont nous le faisons, c'est ce dont nous sommes conscients. Et il y a un point de vue, un observateur, une fonction d'observation qui est conscient de tout ce qui se passe. C'est le chemin qui conduit à l'être véritable. Parce que ce chemin conduit à notre inconscient, permet au chi de l'univers, de la nature, de la terre, tout notre grand champ de conscience et d'amour, en permanence, pénétrer à l'intérieur de la conscience parce que nous réalisons que nous observons la situation. Alors le chi pénètre très profondément dans ce qui avant était inconscient. Et le chi devient très abondant dans la conscience. Plus clair, abondant, circule très bien, tout se débloque à l'intérieur de la conscience. Tout circule très très bien. Les adhérences, tous les blocages disparaissent. Le chi de l'univers transforme. Notre grand champ d'amour et de conscience, c'est des milliers et des milliers d'êtres. Très grande intelligence. Si intelligents qu'ils savent qu'il faut aimer. Ils savent qu'il faut être doux et tendre. Ils savent qu'il faut prendre conscience de celui qui observe. Et en faisant ça, nous devenons un être d'amour et de grande intelligence. Et nous nourrissons tous les êtres. Nous aidons. Spontanément, naturellement, nous n'avons rien à prouver. Ça se passe déjà. Quand nous revenons à notre cœur pur de bébé, nous nous mettons à aider tous les êtres, à s'éveiller à leur cœur pur de bébé. Parce que nous intensifions les informations du cœur pur de bébé, les informations d'éveil dans toute la conscience humaine. Nous créons le buzz dans la conscience humaine, dans cet instant, tous ensemble. Nous créons un champ d'information dominant, d'éveil, d'amour, qui influence tout le monde, tous les êtres, qui influence les plantes, les arbres, les animaux. Il n'y a rien à croire. Qui veut des preuves? Qui doute? Si ce n'est le cadre des pensées, des concepts, que vous ne pouvez pas être ceci ou pas être cela, que vous n'êtes pas assez ceci ou pas assez cela. C'est des mots dans la tête. Mais qui reçoit ces mots? Et qui y répond?
très loin dans l'univers, ouvrez. Doucement, tournez les paumes l'une en face de l'autre. Juste tournez les paumes. Et écoutez. Ressentez ce qui change autour de vous et à l'intérieur. Ensemble, nos bons cœurs et nos beaux cœurs se soutiennent. Nos consciences en éveil, rendre plus simple pour chacun d'éveiller sa conscience dans notre groupe comme dans tout le champ de conscience et d'amour. Prenez la balle de chi devant l'abdomen. Condensez la balle de chi. Fermez. Superposer les paumes de main sur le nombril. Le chi revient dans le palais de Mingmen. Ce qui nourrit le chi inné, nourrit la conscience, nourrit l'amour. Étendez, étendez, étendez. Que le chi pénètre dans ces zones de la conscience n'est pas habituel. Cela crée un petit peu d'effort au niveau de la conscience. C'est normal. De la même manière que faire du sport crée un peu d'effort pour les muscles, aller plus profondément dans la conscience crée un effort pour la conscience. Cela crée de légères tensions qui sont naturelles et passagères, comme les tensions musculaires dans le sport. Alors ne leur donnez pas trop d'importance parce qu'elles sont inhabituelles. C'est tout à fait normal, c'est passager. La conscience, pour s'agrandir, a besoin de s'ouvrir et d'être pratiquée. Dans le confort de notre foyer, dans la douceur, notre vie quotidienne, nous explorons la possibilité de nous éveiller à une nouvelle vie, plus profonde et plus aimante, pour nous comme pour tous ceux que nous aimons. C'est ça qui a de la valeur. L'amour en permanence pénètre à l'intérieur. L'amour, c'est du chi pur. Ce n'est pas que des émotions. Tout est fait de douceur et de tendresse. Un bébé est une petite boule de tendresse, douceur et d'amour. C'est ce que nous sommes et avons toujours été. Tout a toujours été un bébé. Des bébés plantes, des bébés animaux. Un jour, même la Terre était un bébé Terre. Et l'univers, un jour, a été un bébé univers.
Prenez une balle de chi devant l'abdomen. Gardez la conscience de cette fonction de vous qui observe, qui est présente, perception. Cet aspect-là, le professeur Wei l'appelle Mingjue. Mais c'est des mots chinois. La réalité, c'est que c'est une fonction de vous qui est toujours présente à recevoir toutes les informations, toutes les idées, toutes les sensations, toutes les émotions. C'est la partie de nous qui est présente à les recevoir. C'est un peu le comité d'accueil de notre bon cœur. Oui. Dans l'univers profondément. Ressentez le vide, le volume, l'espace. Observez le vide. Écoutez le vide. Conscience revient profondément à l'intérieur. Oui, s'étire vers le haut et doucement balancez le corps d'avant en arrière. Les paumes de main se retournent pour faire face à l'intérieur, l'antenne inférieure. Et doucement balancez le corps légèrement d'avant en arrière. La conscience devient bien plus pure, bien plus fine, bien plus présente à elle-même. Le chi de l'univers en permanence, très fin, pénètre partout, jusqu'au centre. Vous pouvez bouger les bras librement, sans crispation. Ce n'est que du chi dans l'univers. Prenez conscience que le poids du corps bouge légèrement sur les plantes de pied. Est de plus en plus pur et abondant, et tous les blocages se transforment, se libèrent dans l'univers. Tout circule très bien, les émotions disparaissent, les inquiétudes disparaissent. Tout va très bien. Reformez la balle de chi. Et arrêtez de bouger. Mais à l'intérieur, le chi, lui, continue son mouvement doux. Laissez la balle flotter vers le haut, sans la contrôler plus que ça. Juste laissez-la flotter. Si ça va doucement, profitez-en pour vous détendre.
qu'au-delà de la tête, la balle est tellement légère qu'elle s'envole dans l'univers. Comme un ballon qui est absorbé par le ciel et s'envole au loin. La balle de chi s'envole dans l'univers, est absorbée par l'univers. S'envole dans la galaxie. S'envole au-delà. Des espaces de plus en plus purs, de plus en plus originels. Jusqu'à atteindre le chi originel. Tournez les paumes de main vers le sommet de la tête. Prenez conscience de la partie de vous qui est présente à ce que vous ressentez, à ce que vous voyez, à ce que vous entendez, à ce que vous vivez. Très, très bien. Relâchez les épaules, déversez le chi. Allez-y doucement, tranquillement. Par le sommet de la tête. Chi pénètre partout. Dans le tantien supérieur, ouvert dans l'univers, plein de chi originel dans les yeux, le nez, les oreilles et la bouche. Dans le cou et la gorge, plein de chi originel ouvert dans l'univers. Dans les épaules, les bras, la poitrine, le cœur, les poumons, plein de chi originel. Les thoraciques se relâchent, les tensions se défont. Dans le foie, la vésicule biliaire, le pancréas, l'estomac, la rate, les reins, les intestins, la vessie et le système reproducteur, recouvrez le nombril avec les poumons. Et la conscience continue à travers le bassin. Les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, jusque dans l'univers originel, profondément vers le bas. Tout le corps est rempli de chi originel, tous les organes, tous les tissus, toute la conscience. Tout est rempli d'amour. Dans notre grand champ d'amour et de conscience, devient originel. Prenez conscience du palais de Mi'kmaq, des reins. Les blocages dans les organes internes s'ouvrent et se libèrent, disparaissent. Nourrir la conscience, nourrir le chi, nourrir l'amour.
Calmez-vous pendant un instant. Laissez tout le chi originel, tout l'amour, les bonnes informations de cette séance s'infuser, pénétrer, se fixer à l'intérieur. C'est un grand soin pour toutes les cellules, pour tout le chi, pour toute la conscience. Les blocages se libèrent. Nous allons chanter le son tone, tone, tone. Avec le son tone, tout s'ouvre et circule librement. Inspirez. Expérience du son. On chante et ensuite on vit le son et son expérience. Inspirez. Et ressentez, observez. Maintenant, le son râle du fond du cœur, avec une voix douce et pleine d'amour, comme si l'on disait je t'aime, comme si on disait des mots d'amour. Ah. Raoula. Entre deux Raoula, écoutez et ressentez. Raoula. Raoula. Pour nous tous. Raoula. Merci mes amis pour cette séance. Raoula. 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 Merci à chacun d'entre nous. Donnez du temps. Raoula. 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 Professeur Wei, Pang, tout le grand champ de conscience et d'amour. Raoula. À tous les gens que nous aimons. Raoula. 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 À tous les gens qui nous aiment. Raoula. Raoula. Depuis le début de notre vie. Raoula. Raoula. À tous les gens qui nous aimeront. Raoula. À tous les gens que nous aimerons. Raoula. À tous les gens qui sont en éveil, qui sont en train, comme nous, d'éveiller leur cœur pur. À tous ceux qui ont besoin d'amour et de conscience. Pour nous, pour soi-même. Si on a besoin d'amour et de conscience.
Arrêtez. Allez, les mains doucement. Sentez-vous bien. Sentez-vous heureux. Sentez-vous vivant. Plein de douceur et de tendresse, d'amour. Nous sommes tellement plus beaux. À l'intérieur, à l'extérieur. Nous sommes tellement plus vivants. Plus forts et puissants. Notre santé est tellement meilleure et nous sommes tellement plus unis avec l'amour pour tous les êtres, pour le monde entier. Nous sommes tellement plus à notre place. Nous sommes plus heureux. Pour une très bonne nouvelle journée. Bougez librement. Confirmez-le en vous sentant bien partout dans tout le corps. Confirmez-le.